Jeudi 18h30. Vendredi 18h30. Et samedi 8h. Ça concerne tous les anciens et les diacres. Ceux qui sont déjà anciens et diacres sont concernés. Et ceux que les pasteurs veulent voir dans cette position de diacre ancien sont aussi concernés. Donc si après cette formation, si tu n'as pas fait partie de cette formation, la suite là, c'est pas trop clair qu'on t'appelle encore ancien ou diacre. Parce que ça, c'est le président quand-même qui vient. Il a formé les pasteurs pour qu'ils aillent former tout le monde. Et puis maintenant, il y a une date qui est indiquée, on a choisi le 11 juin. Il va venir prier tous les anciens, les diacres et les diaconesses. Et après ça, il y a un certificat qui sera remis, qui sera le signe de ta reconnaissance de diacre ancien au sein de l'Église des Réveils. Donc, ce n'est pas une activité régionale, ce n'est pas nous qui avons envoyé cette vision, ça vient depuis la route du Conseil apostolique. Donc, faisons l'effort d'être là. Amen. Un budget, on a fait le budget et ça sera pourvu avec les églises. Pendant les séances de formation, on aura des offrandes pour soutenir le budget. Parce qu'il faut payer le transport de tous ceux qui viennent. Il y a près de 9. Hein? Voilà, il y a près de 9. Le coordinateur même vient ici, dans notre région, à la Grâce. Ils sont 10. Ils sont 10. Et nous avons la chance que lui réside à Abidjan. Certaines régions vont héberger les orateurs. Nous, on a la Grâce qui sont ici. Bon, ceux qui viennent de l'intérieur, c'est des jeunes. Ils vont se débrouiller chez leurs parents. Voilà. Sinon, si on était à l'intérieur que le coordinateur venait, ça l'a aujourd'hui encore le budget. Mais là, il va rentrer chaque soir, il va rentrer chez nous. Donc, il y a le transport sur les 3 jours. Et puis, je pense que le dernier jour, le conseil régional a voulu qu'on partage quelque chose ensemble. Donc, ça fait que le budget, j'ai oublié un peu le prix. Voilà, le budget est un peu élevé. Donc, il y a la communauté qui va payer 30 000. Nous, ici, on doit payer 30 000. Il y a la communauté qui va payer 25 000. Mais ça ne suffit pas. Quand on fait ensemble, ça ne suffit pas. Alors, on va s'appuyer encore sur les offrandes qu'on va collecter durant le séminaire pour pouvoir payer convenablement le transport des orateurs. Donc que le Seigneur nous bénisse, prenons toutes les dispositions pour que nous soyons là. On va rebondir en même temps sur la formation des anciens, des diacres, avec la Bible Thompson, hein, puisqu'il s'agit aussi des responsables. Je vous salue, Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, votre patience. J'interviens donc par rapport à cette formation de la Bible Thompson. C'est un institut international qui est chargé de cette formation. Et par la grâce de Dieu, l'un des nôtres ici, chaque fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, il est l'un des leurs. Ils ont bien voulu cette année dernière le prendre comme leur représentant au niveau national, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est notre bien-aimé, le pasteur Mangueux, j'ai de vie abondante. Amen. Alors, comme c'est l'un des noms qui a été promis comme représentant, nous voulons tirer profit, n'est-ce pas, de cet institut-là. Ils organisent des séminaires, des sessions de formation à l'exploitation de la Bible Thompson. Et c'est important. Avant même, peut-être, je crois, plus de 50 000 dans la librairie. Maintenant, ça coûte 25 000. Et la formation dure 3 jours. Et nous avons arrêté la première session de cette année 2022. On va donc commencer le 7, donc du 7 au 9 février 2022. Alors, il nous a demandé tous de participer en tant que responsable, parce que c'est important. Il faut aussi voir ce que c'est. Ça apporte beaucoup de connaissances, beaucoup d'ouverture d'esprit. Et beaucoup d'exploitation logique, théologique et de la Bible. La Bible Thompson est une lieu très importante pour servir Dieu à tous les niveaux avec efficacité. Donc ici, nous avons demandé, sollicité, donc nous avons tenu de recevoir la première session de 2022. Ce sont les dates que je vous ai données. Et vous devez vous inscrire parce que c'est important.
pour chercher la connaissance, pour être utile. Donc la participation de chacun est de 12 000 francs seulement. 12 000 francs. Et une session commence le matin de 8 heures et nous terminons à 17 heures pour les deux premiers jours. C'est un meublé de, disons, entrecoupé de pause café, de pause déjeuner. Donc ça est dedans. On ne sait pas de quoi manger, quoi, on ne va pas manger, c'est pas un jeûne de prière, mais il y a des pauses. Des pauses café, des pauses déjeuner. Et après cela, à la fin de la formation, le troisième jour, on finit à midi, et il y aura donc un certificat qui vous sera attribué pour ceux qui vont participer, nous allons entendre, tous qu'on le faire, et vous aurez gratuitement la Bible Thompson. Est-ce que vous n'aurez pas que ça met des acclamations, ça? Donc c'est ça qu'il s'agit. Et eux, ils sont éduqués sur leur modèle, sur leur règlement. Une session doit comporter 120 membres. Ils ne vont pas au-delà. Il n'y a pas de négociation. Depuis qu'ils ont commencé, c'est ça. 120 membres. Et aujourd'hui, à ce jour, nous sommes déjà à 30. 30 personnes inscrites sur ma liste. Des intentions de participer. Beaucoup ont déjà payé. Certains sont déjà inscrits, ils vont intervenir pour prier, confirmer donc. Et ce soir-là, nous portons la soirée à votre connaissance pour que vous aussi vous manifestiez avant que la boucle ne soit bouclée. C'est important. 12 000 francs, vous appelez au 07 09 70 20 36 ou au 01 40 2 fois 24 60 à la fin. Et vous trouverez quelqu'un qui va vous recevoir en la personne de votre serviteur qui vous parle. Donc que Dieu vous bénisse. J'attends votre réaction. Tout ce temps que vous êtes pour ceux qui n'ont pas fait, parce qu'il y en a parmi vous, il y en a qui ont déjà fait. Voilà. Merci, merci pasteur pour l'intervention par rapport à la formation. Moi, c'est en termes de plaidoyer. Beaucoup d'entre nous qui sont en fonction sont des jours ouvrables, trois jours ouvrables pour nous, c'est pas évident. On a vraiment envie d'assister, de participer, mais ce sont des jours ouvrables et ça nous coince un peu. Donc, c'est un plaidoyer, si c'est possible, peut-être les week-ends, on commence peut-être les soirs, les formations, et puis les week-ends, on termine toute la journée. Ok, oui. C'est la même chose. Tout à l'heure, on en parlait, on réfléchit. J'ai dit peut-être que dans le dernier pas, monsieur, même pour les loyers là, si c'est trois jours, peut-être que le soir, lundi, mardi, ça va un jour, mercredi, jeudi, un jour, deuxième jour, pas l'heure. Mardi, soir, samedi, matin, tout la journée, c'est trois jours. Bon, mais j'ai dit un peu les pour au moins ceux qui travaillent le matin. Le soir, du moins, si vous devez participer à la formation. Si c'est possible, quoi. Ok, merci beaucoup. Je pense que le responsable, c'est le pasteur Mangue. On va voir avec lui. Déjà, il dit qu'il y a 30 inscrits. En réalité, 30 inscrits, il reste que 10 personnes ici à Abidjan Nord. Parce que sur les 120, on a demandé à Abidjan Sud d'envoyer 40 personnes. On a demandé à Abidjan Centre d'envoyer 40 personnes. Mais ici, si on va au-delà de 40, s'il y a deux autres sections qui arrivent, ils ont trois sessions dans l'année, deux autres sections qui arrivent, s'il y a l'affluence ici, on va demander aux autres là-bas de s'organiser pour faire d'autres sessions là-bas. Donc on va voir le pasteur Mangue pour lui proposer, pour lui parler de cette possibilité-là, peut-être à une autre session. Voilà, si ceux qui ne peuvent pas dégager deux jours ouvrables, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de les aider à faire ce que vous êtes en train de dire? Maintenant, on va voir ce qui va donner comme réponse. Donc, pour l'heure, ceux qui ont le temps, inscrivez-vous rapidement pour qu'on puisse faire avec ceux qui sont disponibles. Merci beaucoup. On va aller rapidement. On peut acclamer, ancien. Il y a des questions? Oui, oui, d'accord, bon, excusez-moi. Revenez là-bas.
Il y a une question. Ancien, présente-toi. C'est l'ancien, pardon. Oui. Oui, c'est ça. Je voudrais remercier Pasteur Franck qui est ici cette soirée pour tous les anciens et les diacres de Charles et les sculptures spécialisées. Je voudrais dire merci aussi à l'équipe du CAD qui a pu dire que c'est un peu. Tiens, pour les parents. Alors, je reprends pour dire merci au pasteur Franck, pasteur de région, que nous reçoit ici, chez lui, dans ce beau cadre climatisé. Je voudrais dire merci à son bureau, à son staff autour de lui, pour tout ce que vous faites pour les anciens, les diacres. Je voudrais dire merci aux responsables de cadre qui ont bien voulu mettre cette plateforme sur pied. Je me représente, moi je crois que j'ai le micro, c'est sympa aussi. Voilà, donc c'est en ce qui concerne la plateforme. Bon, je crois qu'on est 120, c'est ce que je viens d'entendre, 123, mais sur la plateforme on est 91 actuellement. Donc c'est le moment de pouvoir exhorter les autres anciens étapes de pouvoir entrer sur cette plateforme. De sorte que si demain il y a une information comme le pasteur vient de donner, que nous puissions être au même niveau de qualité d'information. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les clauses ou les règles de la plateforme, ce serait intéressant. Comme on le dit souvent, la parole passe et l'écrit reste. C'est respectable d'écrire ce qui concerne les règles à respecter pour ce qui concerne la plateforme. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Nous avons juste dit quelque chose concernant donc, l'effectif. Il faut dire qu'il y a certains anciens diacres et diaconesses anciennes qui ont donné des numéros de téléphone qui ne correspondent pas à des numéros WhatsApp. La personne te dit comme ça, oui, c'est un numéro WhatsApp, mais quand tu mets, bon, ça ne pas. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est. Mais tu sais, le rapprochement 93-123 n'est pas trop loin. Hein? On va pouvoir voir. Ceux qui ont les numéros qui passent, il faut les relancer pour avoir le vrai numéro WhatsApp. Oui, souvent on a essayé, mais c'est tout que. Moi, par exemple, c'est 8 chiffres. C'est pas 10 chiffres. WhatsApp, vous n'avez pas dit, c'est. Laissez-moi, je vais parler. Oui, allez-y. Voilà, moi-même qui vous parle là, j'ai travaillé dans la communication. Donc je sais ce que vous dites là, je connais ça. Alors, quand je vois que ça passe pas, je sais ce que c'est. Quand c'est un move, quand vous avez mis move là, soit 42, 41, 40, moi-même je reprends et puis je mets 0. Hein? Et quand même je fais ça pour certains, ça passe pas. En réalité, eux-mêmes, ils ont oublié le numéro WhatsApp qui correspond. Vous avez compris? Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas sur la plateforme, appelez-nous. Puis vous nous donnez votre vrai numéro WhatsApp, on va vous informer. Sans problème. Ok. Donc, faites ce travail ensemble. Ceux qui sont là, qui ont reçu le message, vous répondez. Ceux qui ne sont pas là, il faut aussi les appeler. Dans un téléphone comme ça, frein, frein là. Oui. Puis il demande, il faut donner ton vrai numéro WhatsApp. Tu dois donner vrai numéro WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur, le temps est parti. On va recevoir d'abord avant les jeunes. Ils sont vigoureux, ils vont attendre. On va recevoir les moments de l'intercession. Voilà. Maman Loubo est là depuis longtemps. Voilà. Elle va venir sa secrétaire, sa conseillère. On a depuis un déplacement. Et l'intercession, ce sont ceux qui vous soutiennent. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Après, ce que la jeunesse va passer. Après la jeunesse, il y a le Codim. Donc avant le Codim, on va laisser passer le pasteur Irié, qui est là au premier. Et puis après eux, le Codim va passer. S'il y a d'autres, on a oublié aussi d'aller. Hein. Allons-y. Révérend pasteur Wadjo Franck, pasteur des régions d'Abidjan Nord. Révérend pasteur et membre du conseil régional. Chers responsables, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout propos, je voudrais dire merci à Dieu, qui est notre maître et notre guide
Merci au pasteur de région et son conseil pour la confiance placée en ce bureau et pour tout l'effort qu'il fournit pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous voulons aussi dire merci à notre aumônier pour sa disponibilité et pour tous ses conseils. Nous vous souhaitons, pour la même occasion, d'ouvrir le meilleur pour cette année 2022. Je suis ancien India de l'église de Béthanie, membre du bureau régional de l'intercession en tant que conseillère. Je prends la parole au nom de la première responsable, Maman Lugo, ici présent, et au nom du bureau pour vous faire un bref résumé de nos activités de 2021. Nous voudrons signaler l'absence de notre secrétaire, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, à la personne de la diaconesse, Mme Comment Dupré, qui est absente pour cause pour des problèmes de famille. Et vous dire que nous avons prévu une réunion le 22 premier mois 2022 pour notre réunion de bilan. Alors, souffrez que nous ne puissions pas vous donner un bilan détaillé avec toutes les rubriques qu'il faut. Concernant le résumé de nos activités, il faut dire qu'en 2021, nous avons prévu trois grandes activités, dont deux veillées et une retraite spirituelle. Et en plus des réunions de prière tournant dans les différentes communautés. Il faut dire que nous avons commencé nos activités le 19 février à la veillée à 21h, de 21h à l'aube, une veillée dont le thème était « Quel est notre appel ?» tiré de Ésaïe 62, versets 1 à 2. L'orateur était notre aumônier, pasteur de l'église de Kilomètre 17. Ensuite, nous avons eu notre retraite spirituelle du 21 au 23 juillet à Lokogoro Bethel. À Lokogoro Bethel, dont le thème était Quel est notre appel ? Tiré de Ésaïe 62, versets 1 à 2. La dernière veillée a eu lieu le 10 septembre 2021 à l'église Résurrection Millionnaire. Le 21h à l'aube avec le pasteur Didia. Le thème était la restauration. Nos activités ont pris fin le 13 novembre avec la réunion de routine qui a eu lieu à Béthanie Kouté le 13 novembre 2021. Maintenant, il faut dire, concernant les points forts, il faut dire que beaucoup de nos activités pour les réunions tournantes, nous avons en moyenne 45 intercesseurs qui participaient. Et au cours de la veillée, des veillées, nous avons en moyenne 70 personnes. Et pour la retraite spirituelle, en moyenne, moins de 70 personnes. Il faut dire aussi que les églises ont été vraiment régulières. Mais comme point amélioré, il faut dire qu'il y a des églises qui ont brillé par leur absence. Nous avons 6 églises sur 19 églises. Je ne vais pas les citer. Il faut citer les églises qui ont brillé par leur absence. La position est là. Nous avons l'église de Coët. Nous avons l'église de Vie Abondante. Nous avons Source Abondante. Nous avons l'église de BRO Chandelier. Nous avons l'église de El Gabon. Bon. Voilà un peu ce que nous avons fait et puis nos observations. Maintenant, je pense qu'après nous allons faire un bilan détaillé. Je vais donner la parole à notre premier président. Alléluia. Je crois que mon ami a tout dit. Et tout d'abord, je dis merci à Papa Tori qui a libéré toute l'année 2021 ses intercesseurs.
disons aussi merci au PASIBAT et au régional. Il faut dire que vraiment d'autres ne participaient pas. Et quand on dit intercession, on se regroupe pour intercéder pour vous les pasteurs, pour la région et pour d'autres choses. Et cette année, nous voulons vraiment, même si les pasteurs ne sont pas là, mais nous laissons la commission régionale à la prochaine pastorale, il va dire ça à ses collègues. Cette année-là, donnez-nous du travail. Ce n'est pas un travail que vous allez nous donner pour nous payer chaque fin du mois. Mais donnez-nous des sujets de prière. On va prier pour la région. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les régions. Il faudrait que nous sachions un peu de quoi il s'agit là pour savoir orienter nos prières. Donc vraiment, c'est la commission que je laisse au régional et à la prochaine rencontre. Je vais communiquer ça. D'accord. Et puis que le pasteur Papa Yahweh Séminaire, il n'a qu'à bien prendre note. Voilà. Là, comme ça, ici, arrivé là-bas, il va l'appeler par pour les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. La question va vous poser. Merci à l'intercession. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, je voudrais le féliciter, surtout Maman Lobo. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour elle. Donc, on continue à faire le travail. Je pense qu'à la prochaine pastorale, on va communiquer l'information. Et on va vous envoyer les listes et les listes des sujets de prière. Tu veux m'en commencer aujourd'hui, mais merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà. Les communautés qui ne participent pas véritablement, il y a quelqu'un qui a levé la main. Voilà, il faut aussi. Il faut voir l'aumônier déjà faire ce travail-là. Entrer en contact avec le pasteur, la communauté qui ne participe pas. Parce que le pasteur peut ne pas être informé. Si ça ne fonctionne pas, lui il va nous toucher et puis on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Donc passez par cette voie-là. Allez aussi dans ces lieux-là où les gens ne viennent pas, allez faire vos réunions là-bas. Vous appelez le pasteur pour vous l'appeler d'aller là-bas. Ça va les encourager. Donc utilisez toutes ces stratégies-là. Merci beaucoup. Merci. On attend le bilan. On acclame le Seigneur. La jeunesse. Non, c'est la jeunesse d'abord, le pasteur Yérié. La jeunesse d'abord. Après la jeunesse, le pasteur Yérié. Merci. Je reste par deux structures à deux courages. Après la jeunesse, le pasteur Yérié. Et puis on termine avec les enfants. Okay. Ce n'est pas les enfants qui sont là, mais le département des enfants. Non, ce n'est pas les enfants qui sont là. Termine avec le département des enfants. Nous allons y. Bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse. Nous souhaitons d'abord saluer donc, le pasteur de Légion, saluer donc, le conseil pastoral, saluer donc, tous les responsables ici présents. Alors, notre bilan. Il y aura donc, en thème donc, du sommaire, donc, il y aura donc l'introduction, donc, le programme d'activité 2021. On aura donc les activités prévues et réalisées. Il y aura donc les activités non prévues, réalisées, les activités prévues mais non réalisées. Puis ensuite, aller donc dans les différents bilans, donc bilan moral, bilan spirituel et bilan financier. Fait la conclusion, bien sûr, en passant par les respectifs 2022. Alors, il faut dire que nous avons donc épousé donc, le thème du pasteur de région, le thème qui nous demandait, pardon, d'être des hommes et des femmes de vision pour marquer donc, notre génération. Et donc, nous avons, disons, inscrit notre programme d'activité 2021 donc, autour de ce thème-là. Donc il y a eu 11 activités prévues, telles que donc un conseil du groupe musical régional, donc il y avait les examens
du meurtre ici. Il y avait la retraite spirituelle des jeunes femmes, une sortie des temps des jeunes femmes. Il y avait donc une conférence sur les thématiques d'entrepreneuriat et la gestion du revenu. Donc il y avait une journée sportive, il y avait une journée annuelle du madriciste, il y avait une nuit de louange et d'adoration, il y avait donc une journée culturelle des jeunes femmes, un dîner gala et un programme d'évangélisation. Donc il faut dire que nous avons, sur les 9 activités prévues, nous n'avons pu faire que 9. Il y a 2 qui n'ont pas. Pardon, sur les 11, nous n'avons pu faire que 9. Et il y a 2 qui n'ont pas pu être réalisés. Donc, au niveau de ce que nous avons pu faire, donc, c'est donc le conseil du groupe musical. Donc, c'était le 18 avril 2021, donc, à GESCO Bethesda. Donc, nous avons pu mobiliser à peu près 250 jeunes. Donc, on a fait nos examens blancs pour pouvoir jauger donc, le niveau des élèves, donc pour le CE et le BBC du bac. Et pour ces examens blancs, nous avons donc enregistré donc, un taux de réussite très faible, 15%. Donc on a dû mettre donc, les bouchées doubles en termes donc, de coûts de renforcement gratuit pour les élèves pour pouvoir rehausser donc, le niveau. Malheureusement, on n'a pas eu donc, le résultat des examens définitif ici, mais nous pourrons les communiquer après pour voir si ces actions-là ont pu donner. Donc au niveau des jeunes femmes, donc, je voudrais juste saluer la présidente donc, régionale des jeunes femmes, donc la sœur Marina qui est là. Marina, il faut venir à côté de ici. Qui fait donc un travail vraiment remarquable. Donc il y a eu donc, la retraite spirituelle des jeunes femmes, donc c'était donc, à Bethel au Bourdieu, c'était du 6 au 10 avril. Donc le thème c'était ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera Israël. Donc c'est le pasteur Irié, donc de Jean-Paul II et Bénizet qui a pu donc, donner donc, l'enseignement et nous avons dit merci pour sa disponibilité. Donc à cette retraite-là, il y a eu 110 jeunes femmes. Donc la suite, c'est donc la conférence sur l'entrepreneuriat et la gestion du revenu. Pourquoi ce thème surtout donc la gestion du revenu? Parce que certains donc perçoivent donc un salaire chaque fin du mois, mais ils ont du mal donc à gérer. D'autres n'épargnent trop et certains n'épargnent pas du tout. Donc nous avons pu solliciter donc le diacre Simeon donc de Résurrection Millionnaire. Donc nous voulons nous rattraper le Seigneur pour lui. Il nous a donné un très bon enseignement. C'est vrai que les jeunes étaient là, mais malheureusement, vu la qualité donc, de l'enseignement, il y avait moins de personnes. Pourtant, c'est des thèmes qui sont payants sur le plan national quand il s'agit de faire ce genre de séminaire. Alors pour donc, la journée sportive, donc, on a eu à nous recréer. Donc c'était le 14 août, donc au complexe sportif donc BAT à Le Courant à Nanuray. Donc malheureusement nos pasteurs n'ont pas pu nous accompagner. Il y avait eu vraiment, on avait voulu faire donc un match de gala, mais ils n'ont pas eu le temps d'être là. Mais nos mamans ont pu être là et nous connaissons déjà le score. Alors pour les 3 activités que je n'ai pas citées, donc la diable, la nuit de louange et donc la journée culturelle des jeunes femmes, donc il y a eu beaucoup de succès. Et donc nous avons salué ici notre papa, donc papa Boyou Franck, pour sa présence à nos côtés, donc malgré son calendrier très très chargé. Puis donc en début d'année, donc nous n'avions pas prévu cette activité-là, mais nous n'avons pu la faire. C'était donc, c'est notre papa, donc, Boyou Franck qui nous a informé qu'on allait donc avoir un séminaire sur le mariage, donc qui serait donc animé par le pasteur Pré Félix. Donc, cette activité-là vraiment a drainé beaucoup de monde. Et donc, elle s'est déroulée donc avec succès le 24 juillet, donc à l'église de GESCO Bethesda. Donc ici nous voulons saluer, même s'il n'est pas là, donc notre aumônier,
le pasteur Kofi Josué, qui par ses dons et par ses orientations donc, a hautement contribué donc, à la réussite de cette activité. Alors les deux dernières activités qui n'ont pas pu être réalisées, donc c'est le dîner gala. Pourquoi? Parce que le dîner gala devrait donc avoir lieu le 8 décembre, mais vu que le camp régional donc, a été rapproché de d'août donc à février, nous avons dû donc annuler le dîner gala. Pourquoi? Parce que en termes financiers, ça allait être basé sur donc, les jeux. Parce que donc on prévoyait faire 25 000 francs par couple. Donc on a dû annuler cette activité et n'avons pas pu mener donc, un programme d'évangélisation donc, toute l'année. Pourquoi? Parce que notre frère, donc le responsable, le diacre, Franck, donc le millionnaire n'a pas vraiment eu le temps, vu ses nombreux déplacements, de pouvoir donc mener cette activité. Mais nous espérons qu'en 2022, nous pourrions mettre donc la bouchée double pour pouvoir apporter donc des armes dans la maison de notre Seigneur. Donc en trois, donc nous avons donc les bilans. Donc en termes donc de bilan moral donc, et financier, ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque fois que nous avons donc sollicité toute la jeunesse, cette jeunesse là, donc, a répondu présent massivement. Et nous voulons donc saluer tous les présidents du groupe de jeunesse pour leur dynamisme et leur implication. Je voudrais saluer de manière donc exceptionnelle donc la communauté Nouvelle-Jérusalem de Bonico qui nous a rejoints donc en janvier 2021, mais qui n'a raté aucune réunion, aucun événement et était donc à jour dans toutes les cotisations qui ont été données. Et côté donc régularité donc à nos réunions tournantes, donc mensuelles, des responsables locaux, il y a eu quelques améliorations, mais il faut noter que il y a encore des communautés qui ont beaucoup à faire, telles que via Bondon, le Bojo, Bethel, Spécy, Bethel, Bethany, Kouté et Ambekwa, Chekina. Et puis donc à noter que pour cette communauté-là, donc le Monnier nous a dit qu'il fallait donc lui passer le mot pour qu'il puisse voir directement les pasteurs et nous aider à être réguliers donc à nos réunions. Donc il faut noter qu'on a eu en termes aussi de bilan spirituel, nous avons eu quelques échos de péché dans la région qui nous, certains jeunes qui nous montrent encore que nous n'avons beaucoup à faire côté sanctification. Donc en termes de bilan financier, il faut dire que sur le plan national, nous sommes donc l'une des meilleures régions donc, en termes de cotisation. Pourquoi? Parce que donc, nous sommes toujours à jour et donc la cotisation pour nous est de 13 000 francs donc, à payer chaque.